بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo c'est la suite de la précédente. Donc c'est pour les process aléatoires. Donc c'est la suite numéro 2. Donc nous sommes à la fois passé les process aléatoires stationnaires. قلنا toujours باش نعرفوا l'efficacité d'un process ou la خرجوا منه les informations اللي سحقوهم كاين certaines caractéristiques اللي لازم يكون عنده. Parmi هذوما les caractéristiques on va discuter est-ce qu'il est stationnaire ou non. كيف نعرفوا process aléatoire stationnaire لازم يفيريفي certaines conditions. Parmi les conditions هذوما دوك نشوفوهم on désigne par stationnaire au sens strict les process aléatoires dont toutes les caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps. معناها les caractéristiques تاعو هادم ما يتبدلوش بتغير الزمن. D'accord. Donc عندي la probabilité de P de X TI راح تولي P de X برك quel que soit le temps. تما le temps يخرج من هنا من la forme هادي. وعندي mu اللي هي la moyenne de X de T est égale à mu en fonction de X برك تولي indépendante du temps قلنا. Ou la variance élevée au carré de x de t, tout le sigma carré de x barc t y ouvre la formule. Qui nous joue la fonction d'intercorrélation r x de t1 t2, tout l'espérance x1 t de x1 par x de t2, tout le la fonction de corrélation tato barc elle le met de telle façon il faut avoir tout hein on le met t1 moins t2. Ou un type pour c de x t1 t2 et à l'espérance e de x t1 moins mu x de t1 par x de t2 moins mu x de t2. Donc tout le c'est de x de tous toujours tout ou à la différence de t1 moins t2. Donc les propriétés statiques d'un process aléatoire stationnaire ne dépendent pas des instants t1 et t2, mais tout le elle dépend de l'écart le فرق بين t1 et t2. D'accord. Il ne faut pas confondre process stationnaire et process indépendant de T. Ce n'est pas la même chose. On parle de stationnarité, parce que là, qui est indépendant de T, parce que, mais là, R ou C, on a aussi indépendant de T. Mais en doute, la formule est en fonction de T, il y a T1 moins T2. Parce que qui est indépendant de T, là, il y a le temps, le nom, mais il y a le temps, il y a le temps, d'accord. Alors, il faut mise ou mabinet. On parle de stationnarité à l'ordre 2 lorsque seuls μx et rx sont indépendants de t. On a de nombreux phénomènes sont approximativement stationnaires sur du durée d'observation finie. Donc, kif-kif, on dit. Le process aléatoire stationnaire à l'ordre 2, on dit une variable aléatoire réelle, on dit que stationnaire à l'ordre 2, on dit certaines conditions. Mais la moyenne ne dépend pas du temps. Qui est la moyenne, il y a une valeur fixe. Mais on dit que on a la fonction d'autocorrélation, تتعلق غير باللي كار تاع تو اللي هو تي 2 موان تي 1 ولا تي 1 موان تي 2 سويفون لي نوتاسيون داكور دونك راح تخرج لي ار اكس دو تي 1 تي 2 هي ليسبيرونس تاع اكس دو تي 1 اكس دو تي 2 دونك ار اكس دو تو هي ليسبيرونس تاع اكس دو تي موان تو تولي كيف كيف جو بو رومبلاسي تو بار موان تو تولي ار اكس دو موان تو لهنا راح مره راح يولي اون غاتور مره راح يولي اون افونس برك على ديك تخرج اكس مره تي موان تو الاخرى تي بلس تو. وعندي لا بويسونس كي نحسبها البي دو اكس هي ليسبيرونس تاع اكس دو تي كاري تولي لا فونكسيون دوتو كوريلاسيون في لا فالور زيرو دونك تاعي يكون زيرو تولي لانتيغرال دو موان انفيني ا بلوس لانفيني دو اكس كاري بي دو اكس زيرو دي اكس. عندنا بور اون فاريابل الياتوار كومبلكس ار اكس دو تو هو ليسبيرونس تاع اكس دو تي بلوس تو بار لو كونجوغي دو اكس دو تي. Donc, si on va parler d'un process aléatoire stationnaire à l'ordre 2, voici un exemple d'un process aléatoire stationnaire à l'ordre 2. On dit l'espérance de xt1, x2t2, ou en fait, l'espérance de x3, x4, qui m'a toujours fait schéma là. Donc, on dit rx de taux, taux bien sûr, ou t2 moins t1, pardon, ou la t4 moins t3. Fait le process aléatoire stationnaire à l'ordre 2, on dit.
كيكون عندي اكس و واي دو بروسيس الياتوار ستاسيونير وريال. لازم تكون لا بروبابيلي دنسيتي دو بروبابيليتي كونجوينت انتر دو انستان تي 1 اي تي 2. دونك عندي بي دو اكس واي تي 1 تي 2 اللي هي قبل حكينا غير اكس بركه والتي هو اللي يتبدل. هنا عندي الاكس والاي عندي ستاسيوناريتي دو لوردر 2 دونك ليسبيرانس دا اكس تي 1 واي دو تي 2 نو ديبون كو دو تو تي 2 موان تي 1. وعندي لا فونكسيون دانتركوريلاسيون ار اكس دو تو تولي هي ليسبيرانس تاع اكس دو تي بار واي دو تي موان تو. اون جينيرال كي نقولوا الار دو اكس واي دو تو سي ديفيرون على ار واي اكس دو تو داكور. وعندي بور لي فاريابل الياتوار كومبلكس ار اكس دو واي دو تو هي ليسبيرانس تاع اكس دو تي فوا لو كونجوغي تاع واي تي موان تو. نرجع لحكايه الكونجوغي قلنا لو كونجوغي تاع ان نومبر هو كي نديرو الكونجوغي تاع عدد ان نخليو لا بارتي ريال تيل كالي وننفرسي برك لا بارتي كومبلكس لا بارتي وين كاين عندي جي ولا لو فاريابل كومبلكس. دركا راح نشوفو حاجة جديدة راح نشوفو سي كوا ميموار تاع بروسيس باسكو في لي بروسيس الياتوار راح نحكيو على الميموار دان بروسيس. دونك عندي لا فونكسيون دوتوكوريلاسيون ميزور لا كوريلاسيون انتر لي سينيو ايمي par un même process à deux instants différents. Donc nous avons, lorsqu'il y a corrélation, on peut parler d'un effet mémoire du process. Donc on définit la mémoire du process comme le temps tôt en fonction de C, au-delà duquel la corrélation est négligeable. Donc un dit tôt C est aussi appelé temps de corrélation. لهنا هذا ها هي لو توصيل لهنا وين يكون عندي يولي لا كوريلاسيون بينهم راح تكون رايحه للزيرو تولي نيجليجابل مهمله. تسمى ابارتيغ من القيمه هذيك نسميوها الميموار تاع البروسيس. عندي لا ميموار دان بروسيس اي دوتون بلو فيبل كو لا دانسيتي سبيكترال دي سينيو برودوي اي اتوندو داكور. دونك لهنا بور لو بروسيس الياتوار ديسكري دونك كملنا من لو كا كونتينيو باسكو في لو كا كونتينيو راح نحكيو ونخدمو بال الانتغرال وكي نحكيو على الديسكري راح نخدمو بلي سوم داكور. خي قلنا توجور عندي في لي فورمول كيقول لك كونتينيو دونك تو فا يوتيليزي الانتغرال في لي كالكول تاع الحوايج اللي طلبهم مي كيقول لك elle est discrète, donc tu vas utiliser la somme au lieu de l'intégrale. Donc un process aléatoire discret, donc c'est une suite d'observations aléatoires réelles et discrètes, résulte par exemple de l'échantillonnage d'une réalisation d'un signal aléatoire à temps continu, donc tu dis x de n, il y a x de n par te. Andy pour la stationarité d'ordre 2, la moyenne m de n, tu dis l'espérance de x de n, tu dis une constante. إيكالا إم خمسة ستة سبعة عشرة. المهم شو كونستانت ما عندهاش علاقة بالزمن ماهيش متغيرة بتغير الزمن. وعندي لا ستاسيوناريتي على أوردر دو دونك عندي ليسبيرونس تاع إكس إن إكس دو إن نو ديبون كو دو إن موان إل. واش معناها؟ عندي كي نحسب إر إكس دو كا تولي هي ليسبيرونس تاع إكس إن بار إكس دو إن موان كا ونعيطو لها لا فونكسيون دوتو كوريلاسيون. كلمة أوتو تلقاو إكس إكس و انتر راح تلقاو اكس واي. il faut faire attention surtout في لي كيستيون تاع لي في لي سوجي ديكزامان دو بروسيس بير كي تكون عندي الاكس دو ان هي ريال. كي نحسب لا بيسونس تاع السينيال كيل كو سوا لا فالور دو كات جي توجور ليسبيرانس تاع اكس ان او كاري هي الانتغرال دو موان لانفيني ا بلوس لانفيني دو اكس كاري بار بي دو اكس ان دي اكس. دونك هي تولي لا فالور دو ار de x de 0, donc on a l'espérance de x n y l, il y a r x y de n moins l, ou là, il y a r x l de k tout simplement, parce que on a k égale n moins l. Donc, c'est la fonction d'inter, inter, parce qu'on dit x ou y, du process x et y. Donc, pour un process aléatoire discret stationnaire, j'ai la propriété de la corrélation. Donc, j'ai x de n, n c'est un nombre complexe, on a des valeurs réelles stationnaires. Donc, il y a la valeur absolue de rx de k, elle sera inférieure ou égale à la valeur pour k égal à 0. D'accord? Quel que soit k, un nombre appartient au nombre complexe z, le plan z. J'ai aussi que l'autocorrélation est paire, donc on a la symétrie par rapport à 0, là.
Donc, عندي Rx de K, tous les l'espérance, t'as Xn par X de N moins K, toujours là, c'est le cas discret. Hein. Il faut faire attention, mais il dit tout N, tous les cas discrets. Donc, Rx de moins K, tous les y a l'espérance, t'as Xn par Xn plus K. D'accord? Donc, l'espérance fait X par Xn moins K, il y a 9 ça, l'espérance, t'as Xn fois X de N plus K. J'ai aussi que l'intercorrélation n'est pas nécessairement paire, mais on dit l'inter, l'autocorrélation, les autres sont paires. Mais l'inter, mais les autres sont des paires. Donc, on dit qu'il y a une vérifier est-ce que paire ou là, là, les autres sont Rx de Y de K, tous les espérances de Xn par Yn moins K. Il y a Ryx de moins K, tous les espérances de Y de N par Xn point, plus K. Donc, N moins, Y moins K ou Y ou le Xn plus K. D'accord? Donc, là, on dit la variation qui est X, Y ou le Y, X. Là, on dit le moins, là, on dit le plus. Il faut faire attention. Alors, je vais vous donner un exemple de la fonction d'autocorrélation où on dit la présence de l'écho. On dit Xn, j'ai un bruit blanc gaussien, parce que nous avons les variables aléatoires, d'accord? Donc, on dit Y de N, j'ai par exemple X de N, le bruit TI, plus le bruit décalé N moins P, fois une constante. Donc, là, on dit l'observation simple de Y, on n'apprend pas grand-chose. Donc, allez, parce que c'est un signal aléatoire, m'amor bel bruit, tout simplement. Qui on dit le Y de K TI, donc, j'aurais l'espérance, la fonction d'autocorrélation par rapport à Y. Il y a l'espérance de Y de N par Y de N moins K. Autant que Y, on a Xn plus alpha Xn moins P, moins P pardon. Donc, on a Y de N de la valeur Hedi. On a l'espérance, ça va être 1 plus alpha au carré. Rx, la fonction d'autocorrélation par X, plus alpha la fonction d'autocorrélation de X pour K moins P, plus alpha la fonction d'autocorrélation de X par K plus P. Donc, je vois là, on a les pics, les andis, donc andis les 3, andis 300, moi, je vous l'ai dit, les valeurs, les raqdars, on a zim. Mara andis K plus P là, ou là, andis pour K égale à 0, donc pour là, ou andis l'autre, j'ai dit alpha, alpha, sachant que pour K moins P ou K plus P, c'est un 9 l'amplitude, d'accord? Donc, on a les deux pics, ou Heda, c'est 1 plus alpha au carré. Donc, c'est pour ça que le Kbir, 1 plus alpha par Rx de K. D'accord? Donc là, on dit quelques exemples où on a des notes à examen, à module traitement de numérique de signal. On dit des exemples à notes à M. Durand, des notes à Dupont, des notes voisin, à Duma, à intercorrélation, à les signaux mabinettes, c'est un exemple. On dit le process aléatoire ergodique. Maintenant, stationnaire, on apprend le chemin stationnaire, donc on apprend l'ergodicité. Un signal réel stationnaire et ergodique qui où les moyennes statistiques terres sont égales aux moyennes temporelles. D'accord? Qui les moyennes statistiques égales aux moyennes temporelles. Voilà, c'est un signal aléatoire ergodique. Exemple, un des process aléatoires stationnaires gaussiens. D'accord? La moyenne temporelle terre, c'est 1 sur grand n plus 1, la somme de xn. N varie 0 jusqu'à grand N, d'accord? Là, on dit la fonction P et la probabilité de le process stationnaire gaussien. Toujours, on a le process gaussien, la forme P de XT est égale 1 sur sigma, la racine de 2pi, on a toujours le sigma là, mais je te dis que le sigma est la racine, d'accord? Exponentielle, moins X, moins M, la valeur moyenne, élevée au carré sur 2 sigma au carré. C'est l'écart type, ou c'est la variance, ou c'est la moyenne, c'est le process T. Donc, la moyenne statistique qui est là, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, t'as x par p de xt dx, d'accord? C'est la moyenne temporelle, la formule t'a, ou la moyenne statistique, la formule t'a. Les amis qui sont égaux, ben, n'aider à dire que voilà, le système t'a, il est ergodique. Donc, les amis, la limite, 1 sur grand n plus 1, quand n tend vers plus l'infini,
La somme de n égale à 0 jusqu'à grand n de x de n, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, tx par p de x t dx. Donc, c'est la moyenne. Là, nous allons parler chouïa, parce que les valeurs moyennes sont différentes, d'accord? Donc, suivant, je vais on dit les principales moyennes temporelles. Donc, j'ai la valeur moyenne, tout simplement, c'est x tilde avec juste un tiré avec fougmena. Il y a tout simplement la limite à 1 sur grand n, quand grand n tend vers l'infini, de la somme de n varie à 0 jusqu'à n moins 1 de x de n. C'est la formule simple, une moyenne temporelle simple. Qui te coûte une moyenne quadratique moyenne. Le mot quadratique, c'est élevé à la puissance 2. Donc, x carré bar égale la limite de 1 sur grand n, la somme pour n varie de 0 jusqu'à grand n moins 1 de x carré de n. x carré xn. Voilà, elle est juste le mot quadratique. La variance temporelle, on dit l'écart type, on dit la variance sigma au carré de x, c'est la limite 1 sur grand n, la somme, toujours la variance, c'est le signal xn ti moins la valeur moyenne, le tout élevé au carré. Ou dit, c'est la même formule pour calculer la puissance des fluctuations. L'écart type, c'est la racine de la variance, tout simplement. Ou dit, pour nous, c'est une valeur efficace. On dit puissance. La variance, il y a la puissance, ou l'écart type, il y a la valeur efficace, d'accord? La fonction d'autocorrélation, on a phi de x de k, il y a xn par x de n moins k. Tout les, c'est la limite de 1 sur grand n, quand grand n tend vers l'infini, d'une somme qui varie de 0 jusqu'à grand n moins 1, toujours gonna auto, on a x par x, donc on dit xn par x de n moins k. La fonction d'intercorrélation phi de xy de k, c'est xn par y de n moins k bar. C'est clair, inter, donc bin x ou y. X ou y. Donc, là, on a pour un process aléatoire ergodique, un résumé où je suis à Kamel. Un process aléatoire est dit ergodique lorsque les valeurs moyennes, statistiques et temporelles sont identiques. Toujours, il y a un carré bleu. Maintenant, on a un résumé où il y a un résumé où il y a un résumé. Donc, les amis qui n'ont pas de x, il y a x bas. Le m de x carré est x carré de bar ou la rx de k est phi de x de k, d'accord? Donc, on dit, lorsque l'hypothèse d'ergodicité est justifiée, on est en droit d'estimer les propriétés statistiques d'un process aléatoire par l'analyse temporelle d'un signal. Donc, on dit une réalisation, une mesure, une observation. Donc, xn aura unique. Donc, un doux ou un doux. Il y a plusieurs valeurs où la mère ne prend pas plusieurs formes. J'ai que l'analyse temporelle d'un signal aléatoire est plus commode en pratique. J'ai aussi que l'hypothèse d'ergodicité est difficile à vérifier. Mais on admettra que la plupart des signaux aléatoires usuels sont ergodiques. Donc, toujours avec le résumé, là, on dit la moyenne temporelle ou la moyenne statistique. Donc, l'estimateur d'un process aléatoire, il vous dit toujours, l'estimateur d'un signal aléatoire réel, discret, stationnaire et ergodique. Je trouve qu'il y a une kilme discret, toujours, il faut faire attention. Quand il le continu, tu vas utiliser l'intégrale, d'accord? On dit la moyenne temporelle, donc 1 sur grand n plus 1, la somme pour n égale à 0 jusqu'à grand n de xn. D'accord? Donc, il y a l'espérance de xn. La puissance, on dit 1 sur grand n plus 1, la somme pour n égale à 0 jusqu'à grand n, tous les xn au carré. Donc, c'est l'espérance de xn élevé au carré. L'autocorrélation, c'est 1 sur grand n plus 1, la somme pour n égale à p.
jusqu'à grand N, xn, xn moins p, ou à l'espérance, c'est xn par xn moins p. Ou on dit l'intercorrélation, il y a 1 sur grand N plus 1, la somme, xn par yn moins p, n varie 1000 p jusqu'à grand N, l'espérance, c'est xn par yn moins p. Donc, c'est la valeur moyenne temporelle ou les moyennes statistiques en vert. Donc, on dit que nous avons toujours fait le processus aléatoire, il y a la densité spectrale de puissance, DSP. Nous avons fait la densité spectrale de puissance d'un signal aléatoire stationnaire réel et discret, il y a la transformée de Fourier à la fonction d'autocorrélation théo. Donc, on dit Rx de K, tout lié à l'espérance de Xn par Xn moins K. Donc, P de F, tout lié à la somme, pour N varie de moins l'infini à plus l'infini, de Rx de K par exponentielle, la série de Fourier normale, qui m'a moins le fin, pardon, transformée de Fourier normale. Toujours, la transformée de Fourier, notre beau, fait exponentielle, moins G de Pi Fk. On dit Rx de K, il y a l'intégrale de moins 1 demi, par exemple, jusqu'à 1 demi, P de, P de F, exponentielle P, exponentielle G de P Fk. Donc, il y a la transmise de Fourier, ou il y a la transmise de Fourier inverse. On a la somme, on a l'intégrale, d'accord, ou l'axe. On dit la densité spectrale de puissance décrit la distribution de la puissance d'un signal sur les fréquences. Donc, je ne dis au passage mon domaine temporel, le domaine fréquentiel, l'esmen a dit voilà la densité spectrale de puissance. On dit la densité spectrale de puissance d'un process aléatoire stationnel est réel et positif, donc toujours le P de FTO, la densité coûte supérieure ou égale à 0. Quand on a ce inférieur à 0, donc RALTA. On dit la transmise de Fourier à une fonction réelle et paire et réelle et paire, donc on dit la densité spectrale d'un signal réel et paire. Qui coûte réel au père, donc un des P de F, il y a 900 P de moins F. D'accord kif, donc toujours un à la transmise de Fourier, il y a trop le théorème de Perceval, il y a un doux, quand il y a la conservation d'énergie. Donc, il y a la valeur à l'origine de l'autocorrélation est égale à la puissance totale P de X, donc il y a Rx, on a autoté F0, donc il y a l'espérance de Xn élevé au carré, tout lié à la puissance totale. On dit Rx de K, il y a l'intégrale moins 1 demi à plus 1 demi, P de F exponentielle G de Pi Fk df. Donc, qui m'a fait la maintenant? C'est la transmise de Fourier inverse. On dit Rx de 0, qui est en K 0. Donc, tout l'intégrale moins 1 demi à plus 1 demi, P de F df. D'accord. On dit la puissance totale d'un signal ne dépend pas de la représentation choisie. Donc, fréquentielle ou la temporelle. Donc, on dit P de X, il y a l'espérance, c'est xn élevé au carré. Il y a l'intégrale de moins 1 demi jusqu'à plus 1 demi, ta P de F, df, donc R de X de 0. C'est on a résumé. Je vais vous dire que donc, on a toujours fait les process aléatoires ou les variables aléatoires. Mais qui est le bruit blanc? Donc, voici un exemple de modélisation d'une erreur de mesure. On dit le verrouillé blanc B de N, c'est BNTE. D'accord? On suppose que toujours le verrouillé stationnaire. Le verrouillé centré, mal à la valeur moyenne T au nul. Les échantillons non corrélés. Donc, on dit RB de P égale l'espérance ta B de N par B de N, P moins P. Donc, nous avons et où il est le produit, ta coule wahda. Donc, tu lis l'espérance ta B de N fois l'espérance ta B de N moins P. Avec P, bien sûr, ça va être différent à 0. On dit ce signal représente, on a dit le bruit blanc, hein? Le signal bruit blanc représente le cas extrême d'un process sans mémoire. On dit le bruit blanc, la fonction d'autocorrélation Théo, RB de P, c'est sigma carré de P par... la fonction P0 de P, donc où à l'espérance ta B de N par l'espérance ta B de N moins P égale à 0, qui coûte P différent à 0. On dit l'espérance ta B de N, le tout élevé au carré, ou les sigma au carré de B et la variance qui coûte P égale à 1. Voilà, c'est bien le symbole de Kronecker. Rahikoun 0 qui coûte P différent à 0,
ويكون ايجال ا 1 كيكون بي ايجال ا 0 دونك ا بو بري سي لا ميم شوز يشبه كيما نقولوا حنا l'impulsion de Dirac à peu près. Donc, tu as une valeur zéro. On dit la densité spectrale de puissance de bruit blanc, donc qui n'applique que la transformée de Fourier, on va obtenir une de densité spectrale de puissance constante. Donc, le P, tu as le bruit de F, c'est la somme, tu as la fonction RB de P par exponentielle moins G de PF, PF. Donc, tu dis, c'est la somme, ta RB, sigma au carré par le produit de Kronecker exponentielle moins G de PFT, tu dis, sigma B au carré, d'accord? Tu dis, c'est une constante. La puissance totale, il y a PB égale la variance, tal bruit, égale la fonction RB pour F, pour, pardon, P égale à 0. Andy, un tel signal contient toutes les fréquences avec la même densité. Par analogie avec la lumière blanche, il est désigné par bruit blanc ou signal blanc. Anna, le bruit blanc est une abstraction mathématique d'un process totalement décorrélé, pardon, et il représente un important modèle d'excitation en théorie des systèmes. La fonction de transmis de Fourier est un bruit blanc, Rachtkun égale à la variance, donc l'intervalle entre moins 1,5 et plus 1,5, Rachtkun constante avec, on travaille avec des fréquences normalisées. Donc, كيف traitement de signal toujours, بدينا بلي سينيو عرفناهم حسبنا الترانسمي دو فوريه تاعهم درك نعديو نحكيو على الفلتراج تاع سينيو الياتوار عندي في لو كا تاع سينيو ديتيرمينيست نرجعو نديرو ان بتي رابيل بلي لانتيري دون ريبريزونطاسيون سبيكترال بور لي سينيو ديتيرمينيست دونك يكون اكس دو كا راح نحسب الترانسمي دو فوريه تاعو جوري اكس دو اف ها اكس دو اف اون فالور ابسولو بعد نعقبو à travers un filtre ندير la transmit Fourier تاعو اللي هي H de F و signal de sortie Y de K en général قلنا هو le produit entre X de K par H de K لهنا produit de convolution و كي نديرو la transmit Fourier راح يرجع un produit simple d'accord هاو لهنا le signal تاعو نعقبو على un filtre دونك راح نقاردير la partie اللي كاينه وين الفلتر برك هادي كيما نشوفو ما كانش في la partie filtrage دونك راح تكون تروح للزيرو. Donc, on dit X de N, un process aléatoire stationnaire irréel, ou on dit H de N, c'est la réponse impulsionnelle à un système linéaire invariant et stable. Donc, X de N, une réalisation d'un process aléatoire. Donc, on dit Y de N, qui marque le cas normal, le signal discret, c'est la somme pour K varie moins l'infini à plus l'infini, par H de K, X de N moins K. Donc, il y a un système linéaire causal, la réponse impulsionnelle théo H de N, l'entrée X de N ou la sortie Y de N. Nous avons oublié l'ensemble des signaux Y de N à la sortie du système représente un process aléatoire stationnaire Y de N. Donc, il y a la formule qui fait pour la moyenne statistique théo, tel filtre N. On dit mu de Y, il y a l'espérance de Y de N, il y a la somme de HK par l'espérance de N moins K. Là, on a l'espérance de x, tous les mu x, la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de h de k, tous les mu de x par h de 0. D'accord? On a h de n a pour transformer de Fourier grand h de f, lié à la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n exponentielle moins g de pi f n. Donc, il y a l'intercorrélation statistique bien l'entrée ou la sortie. Il y a RY de X de K. C'est l'espérance de YN plus K par X de N. Donc, il y a l'espérance de la somme pour L varie de moins l'infini à plus l'infini de H de L XN plus K moins L fois X de N. Donc, tu lis la somme de H de N par l'espérance de N plus K moins L fois x de n. Donc, tu lis tout simplement, j'aurai la fonction d'intercorrélation statique entre y et x, et à la somme de h de l par x, rx, c'est-à-dire qu'il y a quand même là, par rx de k moins l. D'accord? Et nous savons que la réponse d'intercorrélation statistique,
هي الـ h de k convoluée مع la réponse d'autocorrélation تاع الـ x. D'accord. Donc, نعرف بلي l'intercorrélation entre sortie r, y, x est égale au produit de convolution de hk avec la fonction d'autocorrélation à l'entrée. Donc, la fonction d'autocorrélation à l'entrée, on a la réponse impulsionnelle à le filtre, on dit un produit de convolution. On calcule le produit de convolution. On a fait déjà des vidéos. D'accord. Donc, pour l'autocorrélation statistique du signal de sortie, on dit Y. Ry de k, tout lié à l'espérance de yn plus k par y de n, tout lié à l'espérance de yn plus k, d'accord? La somme yn, il y a la somme de xn par hn moins m, il y a le produit de la convolution bin x mal h, d'accord? Maintenant, simplifie, ou on va faire un petit changement de variable, l y a m moins n. Donc, j'aurai à la fin, blé la fonction d'autocorrélation de y de k. Y, R, Y de K, il y a H de moins K, convolué à H de K, convolué à la fonction d'autocorrélation à l'entrée X. D'accord. Kif, le filtrage des les signaux aléatoires, nous avons dit la chose, il y a l'interprétation spectrale. Donc, il applique la transformée de Fourier, la formule a dit numéro 1. On va obtenir la densité spectrale de puissance. Donc, tous les P de Y de X, il y a H de F par la puissance de X. D'accord. Donc, qui l'applique à la transmise de Fourier à la formule numéro 3. Donc, elle dit à la formule numéro 1, elle est appliquée à la transmise de Fourier. Donc, qui applique à la transmise de Fourier, on a le produit de convolution, j'ai un produit simple. Donc, on a les H de F là, où on a la puissance de X. D'accord. Ou qui n'applique pas la formule numéro 3, donc j'aurai la densité spectrale de Y de N, il y a la P de Y de F, il y a l'H de F en valeur absolue élevée au carré, pour aller, parce qu'on a des produits de convolution, l'H de moins K, mal H de K, ou l'H de F élevée au carré, d'accord? Par la densité, par la puissance, pardon, de X de F. Donc, le x de n l'entrée, le y de n la sortie, le système linéaire causal avec une réponse impulsionnelle T ou h de n, d'accord? Donc, on a la matrice d'autocorrélation. C'est une représentation matricielle dans les signaux. Donc, soit le vecteur x contenant p plus 1 valeur d'un process aléatoire, on dit x de n, il y a x, c'est varié de 0 jusqu'à p, donc transposé, machin à transposer, qu'est-ce qu'un vecteur ligne ou les vecteurs colonne qui n'applique pas les transposés. Donc, on dit la matrice x par xh, il y a elle de cette forme. Vous oubliez le process xn est stationnaire d'ordre 2, résolu l'espérance dans la matrice. On va travailler par r de x de k, il y a r conjugué de x de moins k. Bad, on obtient la fonction d'autocorrélation de xn. Donc, rx, tous les espérances de x, xk, x, x0, tous les rx de 0, hedi x1, x conjugué de 0, tous les rx de 1, ainsi de suite. D'accord? Donc, les propriétés de la matrice d'autocorrélation d'un process stationnaire à l'ordre 2, on dit l'hermitienne, donc on dit rx égale à rx de h. Les termes des diagonales sont égaux, où le Rx est une matrice de Toplitz. On dit Rx défini positif, toutes ses valeurs propres sont positives, où les valeurs propres d'un Rx, d'un process aléatoire stationnaire et centré, sont bornées par les valeurs maximales ou minimales de la densité spectrale de puissance de x de n. Donc on dit lambda i, sont mahsour bin minimum ta pi de x, ou le maximum ta P de X. Comme application, on va comment calculer le rapport signal sur bruit. On a toujours le signal X de N, il y a un signal S de N plus un bruit, B de N. Donc, la puissance P de S, il y a l'espérance de S de N élevé au carré, la puissance de bruit P de B, il y a l'espérance de B de N élevé au carré, le rapport signal sur bruit, le SNR ou le PS sur PB. D'accord. Donc, nous avons un exercice. Nous avons comment calculer le rapport signal sur bruit. On dit x de n, s de n plus b de n.
l'hypothèse sur signal, nous avons par exemple toujours la valeur de signal sur le point n moins 1, il y a la valeur de signal sur le point n, où la puissance Tau égale à 1, où la variable, la puissance Tau P de S signal égale à 1, où la puissance Talbury est à sigma au carré. Il y a la variance au carré. Donc, qui n'est pas le rapport signal de bruit à x de n, ou à Gounal SNR, ou à l'espérance de S de n et V au carré, divisé par l'espérance de P de n au carré. Donc, il y a toujours qui n'est pas le rapport signal sur bruit, et qu'on 1 sur la variance, 1 sur sigma au carré, d'accord? Donc, qui n'est pas un exemple, un des signal l'entrée Tau x de n, ou la sortie Tau y de n, ou un doux en fonction de transfert, H de z, il y a 1 plus z moins 1. Nous avons maintenant calculé le rapport signal sur bruit y de n, d'accord. Donc là, on calcule y de n, qui est x de n par x de n moins 1, qui est appliqué à le filtre. Donc on calcule le rapport signal sur bruit, on calcule l'espérance du signal le premier, ou le bruit divisé par le bruit. Après simplification, j'aurai 4 sur 2 sigma au carré, il y a 2 sur sigma au carré. Nous avons oublié l'espérance de Bn égale à 0, l'espérance de B de n moins 1 égale à 0. Donc, c'est le produit HEDA qui est nul, d'accord? Donc, nous sommes à la fin. On a un exemple de bruit blanc stationnaire, donc à peu près avec fin de la formule Tau. Là, on a un signal aléatoire gaussien centré réduit. Centré, c'est la valeur moyenne Tau égale à 0. Réduit, malaha, la variance Tau égale à 1 ou la puissance Tau tout simplement égale à 1. D'accord? Ou là, on a un autre exemple, je trouve un signal mahouche stationnaire. Je trouve la forme Tau, signal mahouche stationnaire, donc mahouche centré ou mahouche. Fingolo. C'est bon, donc mahouche stationnaire, barque. Nous avons l'intervalle de temps varie de 1001 TE à 2000 TE, où on a x qui est 1 plus u de 0 et 1. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Inch'Allah, nous avons fait les cours. Je vous remercie de vous avoir fait de l'ELFS. Pour moi, c'est l'essentiel. Si vous avez des remarques ou là, des cours ou là, vous demandez certains modules à la rahbosia, l'essentiel est qu'on ait des remarques fi mahalhem ou là, des commentaires fi mahalhem. Manhabch les critiques, c'est juste nesbch critique et barka. Ou je m'excuse parfois que j'ai dit la vidéo twila ou la qui lit ou lit naqra le texte, c'est sans faire attention, parce que farq bin l'insan enno yqaddem cours fi une salle li qaddemha qaddem les étudiants tiou ou ni yqra fi men wajhem, est-ce que fahmo ma fahmoch, y a عندهم des questions, yqdrou yhabsouh, yqdrou yseqsiou, fahmna hadi ma fahmnach hadi, عاودوا لنا هادي نكملوا نعديوا على بارتي اخرى هادي فهميناها بيان هادي نص نص. دونك داكور انا اللي عليا اني ندير في مجهود ديال اقصى درجه اني نحاول نوصل لكم المعلومه كما راها بعد على الاقل اضعف الايمان انه الانسان حتى يتحصل على دوكيومونطاسيون سو فورم دو فيديو وليو يقراهم هو وحده يقدر يسمعهم من عند انسيون ومن بعد يقدر هو يراجع وحده اون سو بازون سور على الاقل واش فهم حتى لو كان طاقة الاستيعاب تاعو حتى لو 20% 30% 40% راح تبقى توجور في الفايدة بالنسبة ليه. داكا دونك في الاخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اي على بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي.